have all the answers. I think you are a bore. I've got a mind of my own. So you. Je voulais dire un gros merci à Mélissa Champagne. Hier dans mon vlog, j'avais acheté un produit de la marque Clinique. Donc une crème pour ma mère, puis j'ai failli pas l'acheter parce que je me demandais si c'était testé sur les animaux. Et là, j'ai ma confirmation. Si je clique là, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, c'est super intéressant. Il y a plein de compagnies que j'ai testées, ben que j'ai recherché et qui testent sur les animaux. J'ai cherché la compagnie Nix parce que je les aime beaucoup. This company is cruelty free. J'ai cherché Manic Panic. Puis ils font pas de tests sur les animaux. Wouhou! Je vais pouvoir continuer à me teindre les cheveux. Ouais! Bon, ça c'était évident. Là. On sait que là, je teste pas leurs produits sur des animaux. Et bref, c'est super intéressant. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Vous irez voir. J'ai fait une petite recette moi-même. Super facile. J'ai pris des lentilles en canne. Que j'ai bien rincé sous l'eau. Je pense que c'est très important parce que mon frère, une fois, il a été malade. Parce qu'il les a pas rincés. Donc, rincez toujours vos lentilles en canne, vraiment comme il faut. J'ai pris des tomates cerises coupées en deux, des concombres, des avocats. J'ai pris pour la sauce... Ah oui, j'ai mis des petits oignons, des oignons verts coupés aussi. Pour la sauce, c'est de l'huile d'olive avec un demi-citron que j'ai été pressé là-dedans. Et j'ai rajouté une gousse d'ail. J'ai mélangé le tout et je vous le dis, c'est vraiment bon. C'est juste très nourrissant et très bon. Et j'adore ça! On a passé une belle soirée, c'est le fun, mon frère était là. J'ai pas sorti ma caméra parce que ben, ma mère elle aime pas vraiment ça être dans mes vlogs. Puis vu que c'est la fête des mères, ben, je me suis dit que j'allais pas vraiment filmer. Donc j'ai pas filmé. Le repas était fucking bon. Là je veux instaurer quelque chose de nouveau dans mes vlogs. C'est-à-dire que ça me tente d'ouvrir des lettres que j'ai reçues. Donc... vous le savez sûrement si vous avez regardé les vlogs précédents, mais je vais arrêter mon abonnement à ma case postale probablement en septembre. Donc c'est les derniers mois que vous pouvez m'envoyer des lettres. Puis je me suis dit, au lieu de faire une vidéo vraiment consacrée à ça, ben, je vais en choisir
2, 3, 4, on verra le temps que j'ai dans des vlogs. Là, j'en ai une qui vient de Erika Saint-Onge. Oh, j'ai un beau Hello Kitty qui fait du ballet, un petit tutu. J'adore tes vidéos. Petite question, est-ce que tu pourrais dire en vidéo si un jour tu pourrais venir à Shibugamo? Je pense que je sais même pas c'est où. Mais j'aimerais ça faire des meet-ups cet été, c'est sûr et certain. Je sais pas où encore. Souvent c'est dans les grandes villes que je vais en faire. Un autre Hello Kitty qui fait de la photo. Une lettre ici qui a pas été timbrée. Seulement je suis censée payer des frais pour ça. Mais les gens de la poste, je pense qu'ils me connaissent bien. Fait qu'ils savent que je reçois beaucoup de courriers. Fait qu'ils me le font plus payer. Au début ils me le faisaient payer. Mais essayez, mettez quand même des timbres. Parce que ça se peut que je me fasse chicaner. Je voulais te passer un coucou, tu es super belle et cool, ne change rien, tu es parfaite comme tu es. Et ta vidéo quand j'étais petite était cool et amusante. Peux-tu en faire d'autres? J'espère que je suis passée dans ta vidéo. Un petit dessin, mais il n'y a pas de nom. Genre, je sais pas c'est qui m'a envoyé ça, mais merci à toi, inconnu, qui ne met pas de timbre sur ses enveloppes. Si vous voulez passer dans ma vidéo, je vais essayer d'en faire une fois par semaine. Vous pouvez m'envoyer des lettres, puis je peux les lire à la caméra. Je m'en vais me coucher dans mon pyjama de licorne et j'espère que c'est une bonne idée. Je crois que ça pourrait être cool. Hey, je suis fatiguée là, je m'en vais juste me coucher maintenant. Donc, ben on se voit demain. Ciao!